σ' αγοράσω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι κικρικικί. Depuis septembre 2017, le projet Migratory Music réunit des partenaires français, belges et grecs autour d'Aurélia Koulati pour promouvoir l'identité culturelle et la langue maternelle d'élèves migrants allophones d'écoles primaires à partir du chant, de comptines et berceuses des pays d'origine. Migratory Music s'appuie sur le lien qui unit les mères et leurs enfants dans les parcours migratoires pour favoriser l'intégration des enfants dans leur classe d'accueil, l'intégration des populations migrantes et plus spécialement celle des mères dans leur environnement social, culturel et économique. Cette coopération questionne la place de l'école dans l'accueil des familles migrantes, le rôle des arts dans l'apprentissage des langues, la valorisation des patrimoines culturels dans les processus d'intégration, les modes de communication entre des personnes de différentes traditions, l'importance du travail en réseau dans les dispositifs d'accueil. Ils prendront la forme d'un livre CD, d'un programme théorique, d'un guide d'information destiné aux enseignants, éducateurs et aux mères immigrées, ainsi que de tutoriels didactiques développés in vivo et présentés sous forme de créations sonores diffusées par radio et web associées au projet. Trois événements de diffusion sont organisés dans les trois pays et sur les ondes radio afin de renforcer l'appropriation du projet. On a vu au premier atelier beaucoup de timidité et de corps renfermés. On a pu voir au gré des ateliers les corps qui s'ouvraient. Il s'agit de soutenir le développement des compétences des enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux dans le domaine de l'accueil des migrants. Évalués par des spécialistes de l'éducation et de la médiation interculturelle, les outils serviront à s'habiliter professionnels de l'éducation au cours de la deuxième année du projet et favoriseront ainsi l'intégration des familles accueillies sur de nombreux territoires européens. Migratory Music a donc rassemblé des écoles de trois pays différents qui ont participé à des ateliers musicaux de janvier à juin 2018. Retour sur cette première année avec les enseignants qui ont ouvert leur classe aux artistes afin de mener à bien ces ateliers. Les enseignants et les artistes, Philippos, Stratos, Martha et Nicoletta, nous accueillent à l'école Menmeni à Thessalonique en Grèce. Εντάξει. Είμαι σου αγγελούδι μου.
en Belgique, à l'école Athénée Royale de Bruxelles 2, ce sont Kaoutar, Fatoum et Florence qui ont accompagné les élèves dans les ateliers musicaux. La respiration ici, vous rappelez, hein? On va remplir nos poumons. On y va? Bien sûr. Si vous arrivez à faire ça tous ensemble, ça veut dire que vous allez chanter tous ensemble, en même temps. Ça vous aide à chanter tous ensemble. Mais il faut faire ça bien tous ensemble pour chanter tous ensemble. Dodo la minette, l'enfant de Jeannette. Si la minette dit dodo pas, cette maman va sous Cali. En France, nous retrouvons Zara, Émilie, Anne, Adèle et Nico dans les écoles Marcel Samba et Ferdinand Busseau de la commune de Bègles. Levez le doigt. Ah oui. Vas-y. Marois. Papa et maman parlent quelle langue? Arabe. D'accord. On parle espagnol et français et papa il est en train d'apprendre un peu l'espagnol. Ma papa il sait parler en bulgare. Il parle bulgare. D'accord. Pareil, il parle toujours en arabe. Toujours en arabe. Deux, trois chapeaux.
Madame, on va se trouver son cahier. Un peu plus fort. Est-ce que tu préfères que je joue fort? Parce que là, j'ai l'impression que moins je joue fort, moins tu chantes fort. Alors, je vais jouer fort et toi, tu dois chanter plus fort que le ukulélé. D'accord? On refait. 1, 2, 3, 4. Ah! Ah! En mai 2018, les enfants ont enregistré leurs chants et comptines en studio dans les trois pays, comme ici à la Maison de la Création à Bruxelles. يا حمام المدينة سلم على نبينا يا رب تشوفه يا رب يشرب ويباهي فينا يلا تنام يلا تنام اذبح لك طير الحمام روح يا حمام لا تصدق رفرف على الغالي لينام لو في سن في سن سمعني موزن ديس مدي سمعني ماما جابت بيبي بيبي حلو صغير يا الله حبيبي شو ذكي ومغمضر شاد من حب نلعب معه ونغني له وندلعه يا الله حبيبي شو ذكي ومغمضر ماما جابت بيبي بيبي حلو صغير يا À Thessalonique, le studio d'enregistrement Polytropon a ouvert ses portes aux jeunes chanteuses et chanteurs. Et en France, les enfants des écoles de Bègles ont enregistré au studio du Rocher de Palmer. Entrez ! Bienvenue au studio ! Alors on se concentre un petit peu, on ferme les yeux. On respire un coup. On ferme ses yeux, les enfants. Si vous touchez le micro, ça fait un barouf d'enfer là-bas. Donc interdit même de toucher les pieds, parce que quand on fait ça là, ah, il a mal aux oreilles, d'accord ? Il y a plusieurs zones en fonction de si vous allez chanter tout seul ou si vous êtes chanté en chœur. Et donc, c'est Mathieu qui va vous installer par rapport au micro. Et on va pouvoir y aller parce qu'on a quand même du pain sur la planche pour enregistrer tout ce beau monde. Du pain sur la planche, c'est une expression pour dire qu'on a beaucoup de choses à faire. Et entre autres, au ballon de juin. Au ballon de juin, sobe, sobe, perua.
s'affolit, je pentiche à Cantaloua. Mais on vient tout en soupçon. Mais vous parlez pelo ar, j'affolis, je pétiche à Cantaloua. Mais on vient tout en soupçon. Mais vous parlez pelo ar, fiquent tard au joie à Choraminga. Waouh! Super! C'est bravo. Ça, c'était la meilleure! On peut noter ça, c'est bien. C'est celle-là, super! Ton cœur, il va à fond, tu m'étonnes, hein, t'es bien! Moi, déjà, t'étais. Ah non, tu t'es pas arrêté, hyper concentré! Bravo! L'ensemble des partenaires des trois pays se sont grandement investis dans le projet Migratory Music. Au centre social et culturel de l'Esteille, les enfants des écoles de Bègle ont pu se produire en concert accompagnés par les musiciens de la compagnie Moin lors d'une journée d'accueil basée sur l'interculturalité et les échanges entre les personnes. Ici, les deux écoles partenaires sont les écoles Ferdinand Buisson à Bègle avec une institutrice ici présente qui s'appelle Émilie Pinault et qui reçoit dans sa classe, elle s'occupe d'une classe d'accueil d'une quinzaine d'enfants. Et l'autre école partenaire ici sur Bègle est l'école Marcel Samba avec Zahra Wabaz qui est ici. Et qui, elle, reçoit dans sa classe de CP, qui est une classe générique, en général, les enfants allophones de l'école. Ambiance avec Mathieu qui nous accueille lors de l'événement Dimanche à la maison organisé régulièrement à la Maison de la Création à Bruxelles. Écoutons maintenant Hervé nous présenter en trois mots les valeurs derrière lesquelles l'ensemble des partenaires dans les trois pays différents se retrouvent derrière ce projet Migratory Music. Le premier mot, c'est l'école, parce que nous sommes tous convaincus que l'école a un rôle essentiel, fondamental, à bien des niveaux, mais surtout au niveau qui nous intéresse ce soir, c'est dans l'accueil des familles qui arrivent sur le territoire français, sans maîtriser forcément notre langue. Et donc l'école a vraiment un rôle fondamental à ce niveau-là. Le deuxième mot derrière lequel on se retrouve, c'est art, art au pluriel. Nous sommes tous convaincus ici que l'art peut changer la société, en tout cas changer les mentalités. Donc, et nourrir différents processus pédagogiques qu'on essaye de mettre en œuvre dans le cadre de ce projet. Et ben, le troisième mot, il ne va pas vous surprendre, c'est la diversité culturelle derrière laquelle on est plus qu'attachés les uns les autres et qui met encore
plus essentiel aujourd'hui qu'hier, encore plus demain qu'hier, de mettre en avant et d'organiser des temps de rencontre entre toutes les belles cultures qui composent notre société.